Ok. Eh bien c'est reparti pour une petite série en Herrera, on accepte le nest. Voilà, merci à vous, salut tout le monde. Salut family. Salut la famille. Alors, qu'est-ce qui se trame ici? Coucou. Salut. Salut tout le monde. Je suis sur... wesh. Yo! Hi! Salut les gars! Alors, je suis quoi? Je suis une femelle, je suis 50 kilos, je fais 1 newton de body force. Avec quand même, hein. Quand même. Je suis tout petit. Ok, on va vraiment essayer de faire un vrai gameplay Herrera cette fois-ci. Au pire, je finirai tout seul parce que c'est chaud d'avoir un groupe soudé qui tient dans le temps. Mais du coup, l'objectif, c'est d'essayer de trouver et d'attaquer. Le troupeau, au bout d'un moment, d'essayer de choper des hatchlings et tout ça. De jouer le gameplay Herrera un petit peu en mode RP, vous voyez. Je suis une femelle, voilà. Hein, bah du coup, on va grandir avec eux, du coup. Hein. La petite famille. Être une femelle, c'est cool. Comme ça, peut-être que je pourrais recréer un groupe, moi, si j'ai envie. Hein. Plus tard, si on se fait tous décimer. Où suis-je? Où suis-je? Où suis-je? Attendez que j'arrive à me repérer. Je crois que je suis tout au sud de la map, à la limite de la map, à la fin. Ouais, à la fin complète de la map, où justement j'avais fait mon test avec les Vera. Où justement j'avais fait ça. Par contre, les gars, il n'y a pas d'eau ici, non? Elle est là-bas, l'eau, mais vous avez craqué. Comment on fait pour y aller, nous? Bon, ok. Alors la proc, je sais pas du tout combien ça dure. Je sais pas du tout le temps que ça dure, on verra bien. Hein. Et puis voilà. Hein. Pour l'instant, on va se poser dans le nid. Bon, sûrement quand je suis un peu plus grand. Hein. Voilà, nouvelle série sur les Herrera, hein. On va vraiment essayer de faire du gameplay avec ce truc-là. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Mais on va essayer quand même. Bon, en tout cas, la proc va super vite, vous voyez. Je suis né dans cette nuit et je vais déjà passer adulte. Je suis à 99%. 68 kilos. 555 km/h, dinosaure le plus rapide du jeu, du coup, je le rappelle. Et 10 newtons de bite force, je commence à avoir soif. Donc on va aller boire. Je pense qu'on va gros sur le chemin, on verra. Je pense qu'on va gros sur le chemin parce que si mes stats diminuent au moment où je gros, faut pas faire le con, hein. Faut pas faire le con. Ouais, je pense que je peux gros. 100%. 100 kilos. 25 newtons de bite force. Je suis extrêmement puissant, hein. Disons-le. Voilà. Ok, peut-être que niveau stam, ce serait un peu mieux. Ils font quoi les autres, là? Ouais, je crois que la stam est quand même assez longue à remonter, hein. De rien. C'est quoi qu'ils ont? Ah, c'est un Nava! Merci d'avoir chassé pour nous! Ils s'y sont mis, je sais pas combien dessus pour le tuer. Ils sont mordus entre eux et tout. Aïe aïe aïe. L'Herrera est assez chaud à jouer parce qu'il est très rapide. Et du coup, en fait, ça fait que quand tu chasses, tu peux passer devant ton adversaire sans faire exprès. Et la rotation est quand même assez mauvaise, hein. Il tombe très mal sur lui-même. Et du coup, tu peux pas facilement retourner dans le cul de ton adversaire pour le remordre. Bon, ça, c'est dur. Donc ici, il y a à bouffer, il pleut très bien, comme ça on n'a pas à aller boire. Donc on va pouvoir grandir, je suis à combien de pourcents? 55%, ouais, ça va être un peu plus long. Je fais 500 kilos et 50 newtons de badfort, je pense que c'est pas les vraies stats. Hein. Je pense que ces stats ne sont pas réelles. Je pense qu'elles sont... c'est juste les stats finales, en gros. Comme l'Albertosaur, où il a 424 newtons de bite force au tout début, mais il les a pas pour de vrai, forcément. Et ils ont entendu un bébé Triceratops. Alors j'y vais, j'aimerais bien voir le fight s'il y en a un. J'ai envie de voir ce qu'il vaut en fait ce dinosaure, parce que je me suis jamais trop battu avec, normal. Hein. C'est pas trop son rôle de se battre. C'est plutôt un charognard, hein, on va dire. Ok, il est là-bas. Là-bas, là-bas. Je veux voir ça les bros. Ne tuez pas, attendez-moi. Qu'est-ce qu'on en fait les gars? On le mange? Est-ce qu'on le mange? Non, vous avez dit quoi? Bah go le bouffer, non?
qui veut être Nest aussi, hein. Je sais pas qui c'est. J'ai combien de Bitforce là? Bah non, ça a pas changé. Ah! Non, je suis en train de faire une connerie, vous allez me tuer. Non? On le mange pas? Parlez-moi, hein. Vous voulez le protéger? C'est un triceratops juvénile, hein. Il n'y a pas beaucoup de choses à manger ici. No? Oui? Non? Faites quoi? No? Oh. Why? Ok, hein. Je vais pas le manger. Il est en train de crever là. Sorry Jelly, désolé hein. Désolé de t'avoir croqué. Oh, j'ai mis dans un état, mais laisse tomber quoi. Bon, faut que je m'éloigne, hein. Je pense qu'il m'a one shot. What? Il s'énerve là. Il s'énerve, il s'énerve. Il va te buter, Jelly. Ah non, il se protège. Ok, 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 ok. Je sais pas trop pourquoi on la laisse en vie, y'a rien à bouffer ici. Il est en train de crever de faim là, vas-y, go le chasser. Ok, bon, on s'est fait pâter avec un petit trike. Mais il est en train de crever, go le chasser là. On le voit d'agoniser, c'est ça le délire? Faut abréger ses souffrances, vous êtes des monstres. Vous êtes des monstres! Regardez le demi-tour, hein. il est quand même chaud en demi-tour, hein. Il est très lent. Bah écoutez, on va le suivre, je sais pas où il veut aller, mais. Moi je le suis, hein. On voir ce qui se passe, il vient mourir, hein. J'aurais dû le chasser. J'aurais dû le chasser et le buter, quoi. Et voilà. Et voilà. T'as qu'à faire qu'on le chasse quoi. Ils sont cruels. Bon, je voudrais alléger ses souffrances. Hein. C'est des monstres. Jamais de la vie j'aurais laissé faire ça. Laisser un jeune triceratops mourir de faim. Quelle ignominie. Ignominie que je ne saurais voir dans ce monde. Vous êtes horrible. Ok, bon, comme vous voyez, j'ai changé d'endroit, j'ai changé de mate, j'ai changé de groupe. Bon, là on est dans un groupe un peu bizarre avec des mayas, des raptors, c'est. Bon, ça n'a aucun sens, mais bon. C'est pas ça. En fait, le truc, c'est que j'ai glissé, chef. Je me suis jeté avec mon Herrera dans le vide. J'ai pas fait exprès, je courais trop vite et je me suis foutu en l'air, du coup je suis mort. Et en gros il y a le groupe de français là, vous voyez, Delmax, Buxature, qui m'en renest. Et je suis arrivé ici dans ce joyeux bordel, avec des Gali, des Mayas, des Raptors, qui s'amusent à courir, à se jeter dans le vide. Voilà, comme le Maya vient de faire ici. Bon, c'est pas mal du coup. C'est pas mal, c'est sympa, on change d'ambiance un peu. Ça n'a aucun sens ce qui se passe ici. C'est le bordel sans nom. Je sais pas trop ce qui se passe en vrai. Ok, y'a tout le monde qui se fait des jumps. On va essayer de s'enfermer aussi. Yes! Bon, on avait notre nid, hein. Tranquille à la base.
On avait juste notre nid tranquille et Et genre tout le monde s'est ramené là quoi. Tout le monde s'est ramené là. Regardez cette scène. C'est que des dinosaures avec un cerveau éclaté tout ça. Je reconnais. Hein. Gentil Baryonyx. Il fait un peu peur quand même. Hein. Il fait un peu peur. Disons que s'il pète un câble, il me fout un morceau et laisse tomber quoi. Ça n'a pas de sens. Ok, j'ai entendu un Ava. Merde, c'est tout noir. J'ai entendu un Ava. J'ai envie d'essayer de le chasser, mais c'est la nuit. Du coup, c'est un peu chiant. Je commence à avoir faim en plus. On va essayer, hein. Bon, il y a le... une partie de ma famille Rira qui est partie. Qui a déco. On va voir ce que ça donne, hein. En vrai, je suis hyper rapide. Il y a que les demi-tours qui sont un peu relous, quoi. Regardez. Ça va, faut compter sur les hitbox, vas-y. Les demi-tours sont horribles. Hein. Ça va en vrai, hein, je lui fais des dégâts, mine de. Tu vas où? Non, 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 non. Eh, tu peux pas m'échapper par contre. Hein. Ok, bah il est mort. En vrai, ça va. C'est quoi ce truc? Ah, c'est une Rira, mais pourquoi on est plus dans le groupe? Mais quoi? Sors d'où cette Rira là? Ok, ouais, une Rira sauvage. Il y a un Juvirex. Go essayer de l'attaquer, Delmax. Il est là, il est là, il a entamé déjà. Go l'attaquer, go l'attaquer! Wesh! Ça va trop vite! What, 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 what? Il est passé où? Il a déco? Oh, j'ai rien compris ce qui s'est passé. Bah, ouais, fais chier. Putain, on a raté le coche. Bah, ouais, dommage. Et ça va tellement, ça va tellement vite avec les Rira que j'ai rien compris à ce que j'ai fait, quoi. C'est abusé, quoi. Il va beaucoup trop vite, ce dinosaure. Ça va trop vite quoi! Regardez ça! Ça va beaucoup trop vite! C'est ingérable quoi! C'est ingérable! Bon, du coup, je vais aller chasser un truc parce que j'ai la dalle. Putain, je suis deg! Mais ouais, je pense qu'on n'aura pas le choix que d'attaquer que des juvies et des hatchlings. Hein. En vrai, on fait vraiment pas assez de dégâts. Hein. Pour attaquer des gros trucs. Hein. Là, clairement, ça sert à rien d'essayer. Hein. Ça sert à rien d'essayer. Je suis passé full adulte, bah du coup vous voyez ça change pas, hein. C'est toujours pareil, c'est les mêmes stats. Et bah écoutez, on a une famille un peu étrange, hein, à vrai dire. Il y a un nouveau bébé, d'Aprior. Voilà, le nouveau baby là-bas. Et on a aussi une famille de raptors à côté de nous. Du tas, hein. Bah du coup écoutez, je fais un peu le taf pour eux, hein. Je fais un peu le taf pour eux, je vais manger comme ça de temps en temps. Et je leur mets de la bouffe dans le nid parce que bon, on est des Rira super gentils. Ah, par contre, il est assez long à se remplir le ventre, hein, mine de. Mine de, mine de. Ok, allez. Allez. J'ai l'impression qu'ils font bordel les deux là-bas. Delmax et son bébé. Ok, qu'est-ce que vous faites? Bon, ça c'est notre Uta de compagnie. Regardez comme je suis gentil, je mets de la nourriture. Ah, ils sont devenus potes. Ils sont devenus potes. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Ils sont tellement petits qu'on les voit pas.
Qu'est-ce que c'est? Ah mais il y en a un autre là! Il y en a partout des petits utins minuscules. Il y en a partout, on dirait des sauterelles. Ah, comme il est minuscule. Déjà que je suis pas très grand moi. Bon voilà, en gros c'est notre famille. Un peu chelou mais c'est notre famille. On n'a pas à juger les familles modernes, s'il vous plaît. Il a perdu le nid lui. Il est ici ton nid. Bon, je vais aller boire un coup. Je pense qu'en gros je vais arrêter cet épisode ici. Dans le prochain j'aurai certainement pas la même famille. Mais écoute, on a survécu, on est full adulte. Ça veut pas dire que je suis badass, mais déjà c'est déjà ça, hein, c'est déjà pas mal. Ok, je vais crever de faim, on va éviter. Et j'essaierai dans le prochain épisode de trouver le troupeau et d'essayer de choper des jus ou des trucs comme ça dans le troupeau. Ça risque d'être un peu compliqué, mais bon. On va essayer quoi. On va essayer de faire ça. Ça serait l'objectif. Peut-être pas, pourquoi pas fonder ma propre famille, je ne sais pas. Merci à tous d'avoir suivi cet incroyable épisode de l'Herrera. Je vous donne rendez-vous dans l'épisode 2. Tchuss tout le monde.